Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et c'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui avec Caroline Gibon, la directrice intelligence et stratégie RSE du groupe Thales, l'un des géants mondiaux des hautes technologies. On va détailler les actions de décarbonation menées dans les différents métiers du groupe, aéronautique, spatiale, défense, identité, sécurité, numérique. On verra aussi comment les innovations technologiques peuvent se mettre au service de l'environnement, notamment ce cockpit truffé d'intelligence artificielle qui permet aux pilotes d'optimiser leur plan de vol et d'économiser jusqu'à 10% de carburant. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai les jeux éducatifs Made in France d'Astre et compagnie. Voilà pour les titres, c'est grand entretien, tout de suite. Le grand entretien de ce Smart Impact avec Caroline Gibon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc la directrice intelligence et stratégie RSE du groupe Thales, intégrée à la nouvelle direction RSE qui a été créée en février 2022. Pourquoi ce choix? Pourquoi le groupe a ressenti le besoin de regrouper finalement toutes les initiatives, toutes les actions RSE? Alors, effectivement, cette direction a été créée en 2022 pour donner encore plus de visibilité et de cohérence à la politique RSE du groupe Thales, qui est très importante pour nous et qui est vraiment à l'agenda stratégique du groupe et impulsée par notre CEO. Donc, c'était pour donner davantage de visibilité et de portée à nos actions, qui étaient par ailleurs déjà présentes, mais davantage éparses dans le groupe. Oui, qui étaient présentes, j'imagine, depuis plusieurs années. Mais cette dimension stratégique, c'est important. Nous, on reçoit évidemment beaucoup de directeurs et de directrices RSE. Quand ils font partie du board, quand ils sont, je vais dire, juste à côté du CEO, du président, ça change tout. Exactement, c'est très important pour nous. Et on a la chance chez Thales d'avoir ce leadership par le président directeur général Patrice Caine. Ouais. Et ensuite notre secrétaire général. Et ce que l'on veut aussi, c'est impliquer tous les chefs de business unit pour que la RSE soit au cœur du business et que nos services et nos produits est une finalité ESG pour le climat, pour l'environnement et pour la société plus largement. Oui, et en termes de gouvernance aussi. Si vous deviez définir cette stratégie RSE, vous diriez quoi ? Alors, grosso modo, on veut vraiment faire en sorte de construire un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif. C'est vraiment ça, c'est notre raison d'être et la RSE s'inscrit véritablement là-dedans. Donc c'est ça, on peut la résumer ainsi. Est-ce que ça passe forcément par de l'innovation ? Alors, je pense que l'innovation, déjà, c'est le cœur de ce que fait Thales, de l'innovation de haute technologie. C'est sûr, on est vraiment au cœur de vos métiers. Voilà, donc en fait, c'est en tant que ce que nous sommes, c'est-à-dire savoir faire de l'innovation, savoir faire des hautes technologies, que l'on veut servir ces causes RSE. Et donc, en fait, on crée, par exemple, tous nos senseurs qui sont sur les satellites peuvent permettre de modéliser, enfin, de capter de la donnée qui permettent de modéliser l'évolution du climat. Donc, c'est un exemple très concret de comment cette haute technologie peut servir, peut servir l'environnement. Je vous pose la question, parce que vous me voyez venir, quand on s'appelle Thales, on est forcément technosolutionniste, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, si on est technosolutionniste, est-ce qu'on s'épargne finalement les efforts de sobriété, etc., etc. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on n'est pas technosolutionniste. On fait de la technologie au service d'eux, mais de manière raisonnée. Oui. C'est très important. Alors déjà, comme vous dites, on fait tous les efforts que l'on doit faire sur comment l'on opère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les scopes 1 et 2. Et pour donner un exemple, on s'est engagé d'ici 2030 à réduire ces émissions-là de 50%. Par rapport à 2018. Donc sur vos émissions directes. Sur nos émissions directes, ce qui nous permet d'être en ligne avec l'accord de Paris de limitation du changement climatique à plus 1,5 degré, donc c'est très bien. Et par ailleurs, nos technologies, nos innovations, comme je vous le disais, on veut les orienter vers des causes RSE. Et pour, même, vous disiez, l'innovation à tout prix. Mais en fait, si on prend l'exemple du digital... Oui. Et de l'intelligence artificielle, on veut le faire de manière aussi raisonnée, responsable et éthique. Voilà, donc... On y reviendra en détail sur parce qu'il y a tellement de thèmes dont on peut parler, on a une vingtaine de minutes ensemble, mais je vous pose cette question-là parce qu'il y a un vrai enjeu de comportement, de nos comportements, à quel point on doit changer nos comportements pour limiter ce réchauffement climatique à un niveau, on va dire, supportable. Et la question, elle se pose pour l'un de vos secteurs d'activité majeurs, qui est l'aéronautique. Oui. Quand vous entendez, et là aussi je pense que vous me voyez venir, hein, Jean-Marc Jancovici qui suggère que chaque citoyen devrait s'engager à ne prendre l'avion que 4 fois pour le reste de sa vie. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, ça m'inspire qu'il a le droit de se positionner ainsi. Il y a des personnes qui ont des avis différents. Nous, en tout cas, Thalès, effectivement, on est acteurs du secteur de l'aéronautique. Et précisément, on va essayer de faire en sorte de permettre aux gens de se déplacer pour les raisons qui les concernent, mais en limitant l'impact au maximum. Et nous avons développé un service qui s'appelle GreenOps, qui précisément permet d'optimiser les trajectoires d'avion entre deux points et de limiter jusqu'à 10% les émissions CO2 du secteur. Donc, ce qui peut représenter quand même beaucoup de CO2 au vu de la masse que représente ce secteur. Vous l'avez présenté au dernier Salon du Bourget, exactement. C'est ça c'est quoi? C'est un cockpit intelligent, on va dire ça comme ça, truffé d'intelligence artificielle. Exactement. Comment ça marche? À la fois dans le cockpit, mais aussi sur, pour ce qui concerne les transporteurs aériens. Donc c'est la connexion entre le sol et les airlines, les pilotes, qui permet en fait d'optimiser les routes en fonction de la météo, en fonction du reste du trafic, de l'espace aérien disponible, pour ne pas rogner non plus sur la sécurité. Donc c'est vraiment optimiser du point de vue environnemental tout en garantissant la sécurité. C'est disponible uniquement sur les nouveaux avions qui vont sortir des chaînes de fabrication, ou alors on peut l'intégrer, ce dispositif, à des avions déjà existants? Alors, on peut l'intégrer sur les avions déjà existants via les rétrofits. En fait, on rétrofite aussi un cockpit d'avion. Voilà, on peut y mettre ces nouvelles technologies. Ouais. Exactement. D'accord. Donc, il y a un potentiel d'économie de carburant de 10%. On va reparler de l'innovation un peu plus tard dans ce grand entretien. Quelques chiffres. Le groupe Thalès, c'est 77 000 collaborateurs dans 68 pays. Chiffre d'affaires affiché en 2022, 17,6 milliards d'euros. Et vous l'avez évoqué, cette stratégie de décarbonation qui concerne d'abord les scopes 1 et 2. C'est quoi le levier le plus efficace pour atteindre l'objectif que vous vous êtes donné? Alors, c'est principalement essayer de recourir aux énergies renouvelables sur nos sites de production. Donc, on installe des énergies renouvelables, on améliore évidemment l'efficience énergétique aussi de nos bâtiments, et puis possiblement on achète de l'énergie verte sur les marchés où nous sommes présents. Donc ça, c'est les leviers principaux que nous activons. Ouais. Acheter de l'énergie verte, tout le monde en veut. Donc, est-ce que c'est si facile d'en trouver? Alors, ce que je veux dire, on essaye de le faire vite et bien, effectivement, parce qu'on considère, comme vous dites, que c'est un enjeu auquel tout le monde fait face. Et du coup, c'est important aussi de développer, que chacun finalement développe des solutions pour décarboner. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans un moment comme ça charnière où tout le monde, tous les grands groupes voudraient afficher effectivement un bilan carbone qui s'améliore. C'est super, sauf que on n'a peut-être pas anticipé en termes de capacité de production des énergies renouvelables. Pour l'instant, nous, on est sur la bonne ligne pour respecter et atteindre ces engagements. Donc, pour l'instant, nous, ça va. Ouais. Avec des objectifs qui sont basés sur la science, Science-Based Target Initiative. Pourquoi c'est très important, ça? C'est pour donner de la crédibilité à nos engagements, puisque c'est un sujet éminemment complexe, quand même, cette mesure des émissions de gaz à effet de serre et son impact sur le climat. Ouais. Et c'est très important, que notre manière de mesurer à la fois nos émissions actuelles et puis nos baisses soit validée par un organisme reconnu. Ça donne de la crédibilité. Et on sent que nous, dans une entreprise scientifique, c'est important pour nous d'être certifié. Science-Based Target Initiative est gage de crédibilité. Et nous avons nos objectifs de réduction ont été validés en mars dernier par le SBTI. Et c'est suivi régulièrement? Comment ça fonctionne, ça? Ça veut dire qu'il y a des rendez-vous d'étape, j'imagine? Alors oui, effectivement, on reporte sur nos engagements annuellement dans le rapport annuel. Et puis même certains critères, dont la réduction des émissions de CO2, sont attachés à la part variable de certains salariés. Donc, on est obligé de rendre compte du progrès que nous réalisons chaque année. Et c'est effectivement, je vais employer le terme label parce que c'est plus simple, même si ce n'est pas tout à fait un label, mais une contrainte. On a vu cette semaine que plusieurs grandes banques, notamment françaises, avaient finalement décidé de ne pas rester dans le SBTI parce que c'était trop contraignant pour elles. Bref, c'est un autre thème. Au mois de septembre, vous avez également intégré l'indice climatique de la Bourse de Paris. Alors, lui aussi, il est basé sur la science, d'ailleurs. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça représente pour un groupe comme Thalès? Alors, c'est très important pour nous d'agir concrètement, comme on le fait, mais d'être reconnu aussi comme tel. Ça peut avoir aussi un effet d'entraînement. Et donc, avec nos actions, on est très heureux d'avoir intégré ce SBTI 1,5 qui montre que nos engagements sont conformes à la trajectoire de réduction, de l'augmentation de la température. Et donc, c'est un effet signal qui est très important pour nous, pour le grand public, pour nos clients et pour les
le monde de la finance. Mais oui, alors justement, est-ce que ça veut dire que la valeur d'une entreprise, elle doit aussi se baser, être indexé sur ses performances ESG, environnementales et sociétales et gouvernance? Ce que l'on remarque en tout cas aujourd'hui, c'est que de plus en plus de fonds, effectivement, ont une étiquette ESG, s'intéressent à la performance extra-financière de l'entreprise. On en est tout à fait conscient chez Thales et on le considère comme très important. Donc effectivement, on veut aligner ou du moins être performant sur les deux volets, finance et RSE, et on considère que ce n'est pas incompatible. Ça veut dire qu'à terme, les groupes qui ne le feraient pas auront du mal à se financer ? C'est une possibilité et nous, en tout cas, on veut effectivement devancer presque l'avenir. On est une entreprise qui se projette dans l'avenir et donc effectivement, on considère que c'est indispensable et incontournable. On a parlé des scopes 1 et 2. Il y a évidemment aussi le scope 3, celui qui engage la chaîne de valeur, les émissions de gaz à effet de serre. Indirect. Alors, quels sont vos objectifs? Tiens, puisqu'on a affiché les objectifs scope 1 et 2, quels sont vos objectifs en la matière? Alors, on a également pris des engagements validés par le SBTI de réduction de 15% de nos émissions de ce scope 3 par rapport à 2018, et de manière absolue, c'est une valeur absolue, c'est pas rapporté à l'activité, donc c'est un objectif très ambitieux que nous avons adopté. Pourquoi c'est plus compliqué? Alors c'est plus compliqué parce que ça ne dépend pas nécessairement que de nous. Voilà, ça dépend aussi de nos fournisseurs à qui nous achetons des produits qui contiennent du carbone. Et donc on met en œuvre véritablement un travail partenarial avec les fournisseurs qui représentent la masse de CO2 la plus importante pour qu'ils trouvent eux-mêmes des solutions, par exemple. Ça veut dire que ça ne sert à rien de leur mettre des objectifs inatteignables? C'est un peu ce que j'entends quand vous parlez de co-construction, en fait, sur ces objectifs scope 3. Alors, eux-mêmes peuvent prendre des objectifs, bien sûr, et précisément, on les accompagne à en prendre, parce qu'on dépend d'eux, et on est, en fait, en réalité, dans un système assez interdépendant. Donc, on n'a pas à leur imposer des objectifs, mais on les accompagne, on les aide, parce que les solutions ne sont pas toujours faciles à trouver. Oui, c'est une vraie question, parce que si les groupes mondiaux délèguent, en quelque sorte, leurs objectifs environnementaux à des entreprises plus petites, des ETI, qui elles-mêmes les délèguent, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça va retomber sur, finalement, les entreprises qui ont le moins de moyens pour le faire. Ah oui, disons que c'est chacun en tant que ce qu'il est, apporte sa pierre à l'édifice. On ne peut pas avoir de passagers clandestins. Donc là, ce n'est pas du tout dans une logique de déléguer de la responsabilité. Ils font leur part, mais nous, de même, on fait notre part, parce qu'on est, nous aussi, fournisseurs à des clients. Et si je prends cet exemple-là, c'est ce qu'on appelle le scope 3, usage de nos produits. Nos produits, on essaie qu'ils soient éco-conçus, pour que quand ils sont utilisés chez nos clients, ils consomment moins. Donc voilà, on fait notre part aussi en tant que fournisseur. Ça veut dire quoi, tiens, d'ailleurs, conception d'un produit chez Thales? Il y a tellement de métiers, tellement de produits possibles. Oui, alors l'éco-conception, donc c'est en fait une méthode pas forcément très facile, mais on essaie grosso modo de mesurer et de concevoir les produits de telle sorte que dans leur consommation de matière, dans leur émission de CO2, dans la phase de test, dans la phase d'usage, il y a un impact environnement moindre, tout en prenant en compte quand même l'aspect utilitaire, enfin la finalité de ce pourquoi on fait le produit. Oui, il faut qu'il soit aussi efficace. Exactement, voilà. Donc on a cette approche que je qualifierais de pragmatique, mais néanmoins avec des vrais impacts. Ça veut dire que tous vos nouveaux produits sont éco-conçus? Oui, exactement. Ça, c'est un engagement que l'on a pris. Et puis, on veut diffuser encore plus la pratique de l'éco-conception au sein du groupe Thales. Par exemple, nous avons conçu une formation pour tous les ingénieurs et elle est en train d'être déployée pour que ça devienne vraiment le quotidien de tous nos ingénieurs en développement. Quand on travaille, je crois que c'était 68, ouais, c'est ça, dans 68 pays différents, comment vous adaptez aux différentes réglementations environnementales? J'imagine le casse-tête que ça peut représenter. Oui, alors on a des juristes, on a des personnes qui connaissent les marchés. Il y a une direction compliance, j'imagine, qui travaille beaucoup. Exactement. Oui. Donc en réalité, ça se passe plutôt bien, mais effectivement, on s'adapte aux réalités locales, aux besoins aussi de nos clients, parce que la RSE ne signifie pas la même chose où que l'on soit dans le monde. Il y a des thématiques qui ressortent plus que d'autres et on s'y adapte. Est-ce qu'il y a des pays qui disent, mais pourquoi vous mettez une telle pression en termes de RSE? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la priorité des pays, peut-être un peu moins avancés dans leur développement. Non. Vous êtes bien gentils, les Occidentaux, mais vous avez brûlé la planète pendant des décennies et nous, il faudrait qu'on fasse des efforts.
Alors sincèrement, parfois ces pays-là sont les premiers impactés par le changement climatique. Donc en réalité, notre politique est plutôt bien reçue par nos salariés et on essaie aussi de l'expliquer dans les sociétés dans lesquelles Thales agit pour expliquer. Mais si on démontre l'intérêt de nos produits et de notre action, c'est bien accepté. Thales, c'est près de 4 milliards d'euros d'investissement par an en recherche et développement. On a parlé tout à l'heure de ce cockpit intelligent pour faire des économies potentielles de 10% de carburant. Est-ce qu'il y a d'autres innovations comme ça à impact environnemental? Vous en avez cité déjà une ou deux, d'autres qui sera intéressante à partager avec nos téléspectateurs. J'avais cité très rapidement tout à l'heure les senseurs qui sont dans nos satellites. En fait, ceux-là sont vraiment essentiels puisqu'ils permettent à la maille, vraiment parfois le kilomètre carré, de savoir comment les océans évoluent, comment la couche d'ozone évolue, et c'est vraiment essentiel pour concevoir les modèles climatiques et aider nos politiques publiques finalement à trouver les bonnes décisions. Il y a un autre exemple, c'est le traitement des données. Je crois que Thales développe des dispositifs pour rendre ce traitement moins énergivore. Alors effectivement, le digital est présent dans énormément de solutions de Thales. Donc par exemple, si on reprend l'exemple de ces données climatiques, en réalité elles sont captées près d'un satellite et on pratique ce que l'on appelle l'edge computing, qui permet... qui permet en fait de traiter la donnée au plus près de sa source pour limiter le volume de données transférées et donc l'énergie nécessaire pour faire ce fameux transfert de données. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le digital frugal. Le digital occupe une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne et donc à une empreinte plus importante. Donc on veut vraiment réduire au maximum l'empreinte du digital. Ça répond d'ailleurs aussi à un enjeu de souveraineté, ça. Exactement. Plus on traite la donnée à la source, mieux on la maîtrise. Exactement. Thales, évidemment, agit sur le secteur de la souveraineté et donc c'est un levier d'action, comme vous dites. L'intelligence artificielle, on l'a vu, elle est présente notamment dans les cockpits d'avion, le dernier cockpit que vous avez présenté. Tiens, d'ailleurs, il est certifié ou pas encore, ce cockpit? Il a obtenu la certification? Il est en cours. Il est en cours de certification. On va suivre ça avec intérêt. Elle est évidemment de plus en plus présente dans vos produits. Comment l'humain garde la main sur l'intelligence artificielle? Ça semble une évidence de dire ça, sauf que c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Alors effectivement, comme je disais, on fait du digital, et parmi le digital, il y a cette nouvelle technologie de l'intelligence artificielle qui peut apporter énormément de choses, mais on considère qu'elles doivent être à la fois transparentes, explicable et éthique. Ça, c'est vraiment notre mot d'ordre. Oui. Et nous avons d'ailleurs publié une charte du digital éthique. Et comment on fait? On crée finalement des interfaces homme-machine qui permettent à l'homme, qui se sert de cette intelligence artificielle dans son métier, de comprendre le raisonnement de la machine. Donc c'est vraiment la machine au service de l'homme et non pas l'inverse. Ouais. Vous avez des exemples concrets? En préparant l'émission, j'ai vu un système de contrôle automatisé de passage aux frontières. Alors c'est quoi et comment l'homme garde la main là-dessus? Alors, donc ça, effectivement, dans le passage aux frontières, par exemple aux aéroports, donc ils vont présenter ces papiers d'identité qui peuvent être contrôlés par une machine. Mais en cas... Ce que l'on fait, par exemple, à Charles de Gaulle. Et quand il y a un problème, l'information est envoyée à des agents de la police qui peuvent comprendre comment la machine a raisonné. Ouais. Ce qui est une question qui vaut pour Thales, mais qui vaut pour tous celles et ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, notamment en santé, par exemple. La difficulté, c'est d'oser prendre une décision contre la machine. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça qu'en fait, ça ne doit pas être la boîte noire. Il faut vraiment que Thales conçoive des systèmes d'IA qui peuvent expliquer le raisonnement, mais de manière simple, pour que, in fine, ce soit l'homme qui prenne la décision. C'est pas déjà trop tard, ça? Non. Et il faut ménager ce petit temps, cet instant de raison de l'homme. Dernier chapitre, il nous reste, c'est passé vite, moins de 5 minutes, les actions de Thales pour être un groupe plus inclusif. Et ça commence par la place des femmes. Oui. Ce qui n'est pas si simple quand on est dans des métiers de sciences, de haute technologie. Je ne sais pas si vous avez tous les chiffres, mais 77 000 salariés, il y a combien de femmes au sein du groupe? Et puis peut-être aussi, plus on monte dans les étages, combien il y en a? Alors, on a précisément 27% de femmes dans les effectifs de Thales, donc ce qui est plutôt bien pour un groupe de ce secteur, mais on a envie d'augmenter. Donc, précisément, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on recrute un tiers de femmes. Donc, mécaniquement, le taux va un petit peu augmenter. Et on mène beaucoup d'actions en faveur des femmes sur lesquelles je reviendrai, mais pour compléter la réponse... Oui. On a aussi dans les fonctions les plus élevées 50% de femmes au conseil d'administration, donc c'est un conseil d'administration paritaire. Et puis on a des objectifs aussi annuels pour augmenter la présence des femmes dans les fonctions de management.
Voilà. Et donc, comme je donc c'est des fonctions voilà, de direction, par exemple. Et on mène, pour ce faire chez Thalès, des actions assez volontaristes à l'égard des femmes en interne, avec par exemple des programmes de mentorat pour les aider à mieux concevoir leur carrière, peut-être répondre à leurs difficultés variées. Et puis aussi, on a des actions vers la société civile, vers les jeunes filles ou même des publics plus variés pour intéresser aux sciences et montrer que c'est un monde auxquelles elles peuvent accéder ou elles peuvent s'épanouir. Avec un, enfin, y a toujours ce décalage avec des jeunes filles qui sont souvent meilleures dans les matières scientifiques, au bac et même dans les études supérieures. Et puis ça ne matche pas après. Oui. C'est quoi ? C'est une société des siècles de patriarcat là, qui pèse là-dessus ? C'est très français, c'est très européen ? Comment vous l'expliquez ça ? Bah, alors, à vrai dire, je ne sais pas très bien, mais donc je pense qu'il faut expliquer davantage. Il faut donner du goût, donner du sens, voilà, donner envie et créer les conditions concrètes, en fait. Il y a l'importance des rôles modèles, pardon, de vous interrompre. C'est-à-dire de montrer celles qui, justement, ont réussi. Exactement, que c'est possible, qu'on peut s'épanouir, hein, j'insiste là-dessus, sur le fait qu'on peut agir aussi dans notre travail, hein, pour la RSE, justement, qu'on peut mettre notre intelligence au service de ces causes. Je repose la question, est-ce que c'est français ou européen ? Est-ce que c'est vrai, ce constat sur la difficulté, finalement, de recruter des femmes dans les métiers scientifiques ? Est-ce que c'est vrai partout ? On le constate effectivement, on le constate partout, ouais, effectivement. Donc il faut vraiment agir, donner envie. Et ça commence assez tôt, ça commence dès l'école. Et c'est pour ça que nous avons des marraines de l'association Elle Bouge qui vont précisément parler aux jeunes filles et expliquer en tant que rôle modèle ce qu'elles font. Dernier mot à propos d'inclusion, avec ce chiffre 2400 salariés en situation de handicap en France, chez Thalès France, ça représente 6,69% du taux d'emploi global. Je crois que ça vous met assez nettement au-dessus de la moyenne nationale. Il y a 41 des 46 sites de Thalès en France qui sont handi accueillants. Je vous posais une question triviale, est-ce que ça a supposé des investissements importants ? Alors oui, parfois des installations physiques pour permettre l'accueil de fauteuils roulants par exemple. Et puis aussi on aménage les postes de travail pour s'adapter au handicap de la personne. Donc parfois il faut investir, mais c'est un petit peu plus que ça. C'est aussi dans la manière de manager. Il faut que l'on forme les managers à travailler avec des personnes diverses et porteuses de handicap. Donc on investit de manière constante pour s'améliorer. Avec une mission insertion, c'est ça qui a été créé il y a plus de 20 ans, 2001. Exactement. Quel bilan on peut en faire après deux décennies ? Alors, on pense que le bilan est plutôt bon, parce que, comme vous le disiez, on a des statistiques qui montrent que nous avons plus de 2000 personnes en situation de handicap chez Thalès, et ça nous place bien au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 4,5%. Oui. Donc on a vraiment progressé. Et en fait, on crée des partenariats aussi avec des associations, avec le monde associatif et le monde académique, et aussi avec le ministère des Armées, puisque nous sommes une entreprise de défense. Et le ministère des Armées et nous avons signé une convention pour accueillir chez Thalès des soldats blessés en reconversion chez nous. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Merci Caroline Gibon. Merci à vous. Et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique Start-up. Tiens, on va garder la tête dans les étoiles d'une certaine façon avec un jeu éducatif. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Astrid Buisset. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Astre et compagnie créée en mars 2021 avec Amici de Collonges. Et avec quelle idée de départ ? Tiens, c'est quoi Astre et compagnie ? Astre et compagnie, c'est déjà l'histoire d'une belle amitié avec Amici. À la suite du confinement, en fait, on est toutes les deux mamans de 4 enfants. Et on a fait un double constat, à la fois dans les écoles, puisqu'Amici est professeur des écoles, que les classes étaient de plus en plus nombreuses et les enfants de plus en plus différents, et les maîtresses toutes seules. Donc il fallait trouver des outils autocorrectifs pour gérer l'autonomie des enfants et éviter le numérique, qui prend beaucoup de place dans les écoles aujourd'hui. Vous êtes complémentaires toutes les deux, donc elle est à l'école, et vous ? Et moi je m'occupe, moi ça fait 15 ans que je travaille dans les jeux, d'accord. Chez différents fournisseurs et distributeurs, et donc je me suis dit qu'avec le jeu on pouvait amener aussi une complémentarité et remettre des étoiles dans les yeux des enfants qui travaillent. Oui. Alors on va parler du côté Made in France de ce jeu, c'est notamment pour ça que vous êtes ici, mais ça s'appelle Étoilium, alors c'est quoi, un réservoir d'étoiles ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce jeu ? Alors c'est exactement ça, donc l'Étoilium c'est un ordinateur qui est mécanique. Mettez-le un peu haut parce que là on ne le voit pas. Ouais. Ouais. Un ordinateur, là-dedans il y a un ordinateur. Oui, c'est mécanique, il est sans pile, sans onde et sans écran et le principe est très simple.
Les enfants doivent simplement répondre aux 10 questions de couleur. Et si leur code, si les réponses sont justes, et uniquement si elles sont justes, ce qui oblige à se relire, eh bien alors, la petite trappe s'ouvre, c'est magique, et les enfants gagnent une petite gommette qu'ils vont gratter. Okay. Ça, c'est un système de points, ça fait de la dopamine, un peu comme dans les jeux vidéo. Ouais. La récompense, ça fonctionne toujours, et la gommette, c'est universel. Ouais. Et donc, il y a cette volonté de sortir aussi un peu les enfants des écrans. Ça faisait partie de la feuille de route, en quelque sorte, du jeu quand vous l'avez créé. Oui, absolument. En fait, il y en a déjà beaucoup. Il y en a de plus en plus. Nous, on a 4 enfants chacune, et on constate avec les années que vraiment, ils sont très sollicités et très addicts aux écrans. Alors qu'il est vraiment important, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle, les connaissances, ils les auront. Mais de manipuler, de toucher, de faire travailler ses sens. Et surtout, avec l'étoilium, c'est allié avec des exercices, en fait, de maths, de français, de logique, de lecture, et de faire travailler son cerveau, de réfléchir, de se creuser la tête, de remuer ses méninges, en fait. Ouais. C'est intéressant, d'ailleurs, parce que la Suède, qui était vraiment passée à un système quasi tout numérique dans ses écoles, est en train de faire marche arrière en remettant des manuels papier. Donc, c'est le fruit d'un travail collectif. Vous l'avez conçu en allant chercher des parents, des profs, qui a participé, finalement, à cette recherche et développement. Ça a pris combien de temps? C'est ça qui est compliqué, surtout, c'était de trouver le mécanisme qui fonctionne bien, cette histoire de réservoir, donner de la force, et tout ça sans électronique. Et puis surtout, on avait vraiment une volonté d'éco-conception, donc de fabriquer en France, ce qui est un vrai défi aujourd'hui. Donc on a trouvé, c'est ça qui a été long. Donc on a travaillé avec un bureau d'études en Haute-Savoie, on a travaillé avec beaucoup de parents, beaucoup de professeurs des écoles, puisque associé à l'étoilium, il y a énormément de contenu. Il y a une bibliothèque de contenu qui va de la grande section au CM2. Donc on trouve à chaque fois des spécialistes pour nous aider sur les contenus. 18 mois de mise au point, de recherche et développement. Il est fabriqué où, ce jeu ? Il est fabriqué en Bretagne. Il est injecté en Bretagne. Tout est fabriqué en France. Tout ce qui va être accessoire, la partie métal, la partie ressort aussi. Tous les composants viennent de France. Et ensuite, c'est assemblé dans un centre d'aide au travail et expédié de Rennes. Est-ce que ça a été si facile de trouver des partenaires français ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un écosystème du jeu encore suffisamment puissant en France pour que ça ait été facile ? Alors, de mon expérience, c'est facile sur la matière papier, carton et bois, puisqu'il y a quand même encore du savoir-faire, notamment dans le Jura. Sur la partie plastique, c'est beaucoup plus audacieux. Il faut quand même travailler de mainmise avec des gens qui ont la compétence sur les moules à injection, etc. Et trouver les bonnes matières aussi, puisqu'on a des normes jouées qui ne sont pas les mêmes que celles de l'automobile, où on injecte beaucoup en France, mais pour les enfants, il y a des normes qui sont spécifiques. Alors justement, vous nous avez dit un jeu éco-conçu. C'est compatible avec un jeu plastique, ça ? Comment, Alors déjà, c'est un plastique pur, donc il est très facilement recyclable. Ça, c'est important. Et ensuite, on est sur un cycle de vie très long. L'étoilium, c'est mécanique. Donc en fait, on pourra jouer avec nos petits-enfants à l'étoilium. Et encore après, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de batterie. Tout est très local. Donc finalement, notre bilan carbone, il va être meilleur qu'un jeu. D'ailleurs, vous proposez un service après-vente. Vous dites aux parents, surtout jetez pas l'étoilium s'il est abîmé, c'est ça ? Alors voilà, là on commence tout juste à équiper les familles. Mais après, c'est si jamais vous avez déjà quoi que ce soit, un souci, il ne marche plus, il s'abîme, vous nous le renvoyez, on vous le répare. C'est ce qu'on appelle du SAV à vie. Et voilà. La deuxième chose, c'est que nous, on va mettre en place un système de reconditionnement. On va récupérer les étoiliums qui ne servent plus pour les revendre, pour avoir un marché de seconde main qui est aussi très important. Merci beaucoup Astrid Busset, bon vent à Astre et compagnie, à votre étoilium. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'émission, mais aussi à la chaîne Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.